Ah, ça va commencer. Est-ce que tu commençais à m'endormir? Non. Alors, les boîtes, ok. Drive them back. We must hold the Esplanade. Allez, on va se les faire. Alors. Alors, X, les attaques rapides, Y pour les attaques de zone. Maintenant Y pour charger l'attaque de zone. D'accord. Alors en style de combat guerrier, appuyez sur LT pour parer les attaques. Vous pouvez maintenir RT pardon, en vous déplaçant pour continuer. Okay. Oh shit! Here come more of them. Oh non, ça serait trop simple. Alors pour repousser, pressez B pour repousser vos adversaires et vous aider dans le garde. À distance, utilisez l'arbalète pour attaquer à distance. Elle s'utilise depuis le menu tactique ou à l'aide de la commande de raccourci que vous avez assis par défaut LT plus X. Ok, LT plus X. C'est pas mal ça. Eux ils sont vulnérables, c'est normal, c'est des archers. Ouais, le système de combat est pas mal, mais va falloir s'habituer aux ennemis. Alors, cibler un adversaire, appuyez sur pour verrouiller ou déverrouiller une cible. Vos attaques ainsi que la caméra se dirigeront automatiquement vers elle. Utilisez pour naviguer dans une cible à l'autre. Ok, ouais, c'est un peu comme un marteau. Débarrassez de ceux-là. Là c'est un peu coriace. Voilà, mon niveau de vie baisse dangereusement. J'ai pas de quoi me soigner, c'est dommage ça. Ah merde, j'ai pris une flèche, d'accord. Ah oui, c'est quand même assez difficile, a priori, le niveau de... Puis il y a pas mal d'ennemis. Je l'ai pas encore en main. Donc alors, allez d'accord, on commence là. Alors, désolé, on va essayer de faire mieux. Je découvre, hein, donc forcément, il va y avoir des loupés. Ok. Ah, peut-être que je les attire un peu plus dans les pièges aussi. On va pas se précipiter. En style de combat, il va recommencer à prendre la tête. Et... Oh, shite!
Here come more of them. Viens là, toi, viens là, y'a un piège. Viens là. Ah, c'est bien. Ça va être chaud. C'est bien, moi j'aime bien. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, d'accord. Ah, d'entrée quoi, direct. Ok, d'accord. Voilà. Ah, c'est le truc dont il parlait tout à l'heure, là. Les machins qui ont niqué la ville, là, il était devant, là. Il... Ah, il voulait se casser, alors c'est ça. Ouais. On va pas l'affronter. Bon, on n'est pas de toute façon prêt, déjà qu'on a du mal avec les mecs avec les boucliers, là. Qui doivent être a priori les mecs les plus faciles, je pense, au départ. Ah non, c'est sympa, j'aime bien pour l'instant. Je sais pas pour vous. Elle va tenir la porte quand même. Non, parce qu'avec nos petites épées, là, on fait de la peine, quoi. Voilà, là, c'est quoi ça? Ce serait mieux si on avait un bouclier ou style dans le genre. Alors, en style de combat guerrier, une parade effectuée au dernier moment avec un permet de parer les attaques et de contre-attaquer instantanément. Ça. C'est quoi le... Pas de timing, merde, c'est quoi que je vais aller. Ah, ok, d'accord. On va vite quand même. Ok. You go see how Buffalo is getting along with the scribes. He's meant to be guarding their invoking chamber. Huh? But Cap. Get out of here! And go find Pila for me while you're gone. Alors, on peut les plucheurs et qu'on aille voir Buff. You, but Captain. Right. Ok. Are you coming or what? On va déjà se promener dans le truc, hein. Déjà, voir s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Un petit coup de main, les gars. Ok, pour la route. Curieux, je vois pas de qui s'affiche nulle part. Je crois qu'on bute les monstres. Si, il y a un truc. Ok. Ça, c'est des pièges. Ah, ils ont posé des pièges, là. Idée qu'ils ont eu. Bon, bah là, y a rien, y a rien. Bon, y a rien.
sec apparemment. Alors là je me dirige vers le point 2. C'est quoi ça? Alors on va voir. Donc deux, un frère en danger, au service des mots. Deux personnes ne passent. Choisir indicateur. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, afficher les gens dehors. Ok. Objectif principal. Objectif annexe. Ok. Moi, ce que je veux faire, c'est les objectifs annexes. On va faire les objectifs annexes. Je fais toujours les objectifs annexes. Tu t'es causé toi? Is everything okay, Buffalo? As long as I can hear them mumbling, everything is okay. One of those dead things managed to get as far as here, but I killed it before it could interrupt them. That's good news. The captain's holding the front entry. Hawk's on the west wing. I got the east. Got any idea where Peeler is? I think I saw him over on the east side. You should find him if you head over there. Thanks. I hope he's still in one piece. And, you might want to check inside the invoking room. We just came across some specters. Those things can go straight through walls, and they might get in there without asking you first. C'est clair. Is that so? Oui, bah pourtant, pour l'instant, mon impression est plutôt bonne sur le jeu. Je sais pas pour vous. Moi, je joue pas terrible, donc je peux pas vous donner une bonne image, mais... Ah. Et, des soucis. D'accord. Alors, attaque avec les dagues. Le style de combat rôdeur est plus nerveux que le style guerrier, mais les attaques ainsi que les parades sont moins puissantes. Vous pouvez désormais changer de style de combat avec RB via le menu tactique. Rôdeur utilise B pour faire un bond en arrière et esquiver n'importe quelle attaque. Pressez pour ouvrir le menu tactique et utiliser une potion de santé quand votre santé est au plus bas. Ok, on va attendre un peu encore. Pendule là quand même pour la route. Okay. Ça s'est pas trop mal passé. Qu'est-ce qu'on a récupéré? J'ai pas fait gaffe. On va aller voir vite fait dans l'inventaire. C'est pas ça. Alors piège explosif. Ok, carreau d'arbalète, je peux pas en faire. Les potions de santé, je peux pas en faire. Bah, il va falloir les économiser. Hein. Alors, les ingrédients. Minerai non traité peut être raffiné pour fabriquer des armes et équipements. Du métal de qualité utile à la fabrication d'armes et d'équipements. Un alliage résistant utile à la fabrication d'armes et d'équipements de qualité supérieure. Alliage aux propriétés renforcées par une magie permettant de fabriquer armes et équipements légendaires. Ah ça c'est bon ça. Des pierres précieuses renforçant les propriétés magiques. Ok, pierres. Des pierres précieuses perverties par la magie aux propriétés puissantes.
Des os très solides, os corrompus, des os dont la résistance s'est vue renforcée par la magie, du cuir de bonne qualité, cuir corrompu, propriété magie, de la poudre de lave aux propriétés magiques utilisées pour enchanter d'autres matériaux, ok, le sang de créatures corrompues par la magie très prisée pour la transformation de matériaux. Bah, ça a l'air assez complet quand même comme truc. Alors ça c'est les compétences, on n'en a pas pour l'instant. Guerrier, on verra ça, on va pas mettre la charrue avant les deux, comme disait l'autre. On va peut-être faire une petite sauvegarde. Ouais on peut. Voilà. Ça s'abrite, on peut fouiller. Ça c'est bien, ça j'aime bien ça, la furtivité. Alors pressé pour activer la furtivité, vous pouvez également faire de une tactique, prendre vos ennemis par surprise augmente considérablement les dégâts. D'accord. Attaquer correctement, je me surprends le timing. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est... Ah bah dis donc, il voulait pas claquer, mais... Vous avez gagné un niveau, rendez-vous dans le menu compétences du niveau du jeu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a, guerrier? Donc ici, on a attaque puissante. Effectue une attaque avec l'arme lourde équipée. Effectue deux moulinets rapides qui peuvent toucher plusieurs ennemis. Mais si vous maintenez Y, appuyez pour charger l'attaque. Enchaîne 4 moulinets plus rapides. 75% des dégâts de l'arme lourde à chaque impact. Merde, je me suis trompé. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Alors, donne un puissant coup de pied pour interrompre l'ennemi, capacité d'interruption 20. Se place en posture de parade avec l'arme lourde, déplacement ralenti, mais permet de dévier les attaques de corps à corps et les projectiles légers utilisés au dernier moment permet une contre-attaque automatique et par certaines attaques déstabilisant ou magique. Ils permettent pas, ils attaquent de l'autre côté. Okay. Alors après il y a le rôdeur.
On effectue une attaque avec des dagues, on effectue une attaque rapide enchaînée, ouais, c'est comme l'autre. Dans ce mode, vous êtes moins visible, vous faites moins de bruit des attaques à la dague sur les ennemis surpris sans toujours critique. Se met en posture de parade avec des dagues. Le déplacement est ralenti, mais peut aussi dévirer, c'est comme l'autre. Pardon, fait un rapide bond en arrière pour éviter une attaque. L'esquive au dernier moment permet de lancer une riposte tout en évitant le coup. Réflexe, le timing de riposte est plus vrai. Je préfère la riposte, moi, avec les dagues, j'ai pas encore ça. Alors, on a deux points à distribuer. Hop, on va faire ça. Chance d'esquive surnaturelle pendant une riposte. Si on l'augmente, on va l'augmenter. Ok. Ça c'est bon.